Comme je vous le disais, je suis quelqu'un de très joyeux, très gai, ça me fait rire de vous le dire. Et non, j'ai pas envie de ne pas décorer. On va pas m'abattre, non. Ça, c'est impossible de m'abattre. Donc, j'ai décoré ma vitrine, bien sûr, et tout mon salon. J'y ai passé, avec l'aide de ma sœur et de sa fille, nous y avons passé plus de 50 heures. Tout à fait, je veille sur mes enfants et il est important de soigner celui qui nous soigne, tout simplement. Cette idée m'est venue quand j'ai vu ma voisine partir en ambulance et ça m'a fait mal au cœur et donc j'ai pensé à eux et aussi à mon locataire qui a eu des problèmes, je vais dire, avec le Covid. Donc j'ai pensé à tout ça et faire un geste était important. Année, mais aussi sans le père Fouettard. You see, this is for a good cause, so I'm so pleased I had it done. I say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened. 1 620 000 euros sera transformé en chèque d'une valeur de 20 euros que chaque habitant va recevoir au début de l'année prochaine. Des chèques à dépenser exclusivement dans les commerces louviérois. On dira qu'est-ce que ça représente un achat de 20 euros par citoyen, mais derrière ça, il y a aussi le fait de ramener les citoyennes et les citoyens, les chalands, dans les commerces. C'est un enjeu évidemment très important. Quelle qu'elle soit, nous avons également voulu soutenir l'activité économique et commerciale et enfin soutenir l'ensemble du tissu associatif, qu'il soit sportif, culturel, voire les sociétés folkloriques également. Je vous invite à découvrir le détail de ces actions sur le lien qui apparaît sur l'écran. Je vous invite à continuer à garder la distance et surtout la grande prudence. Et malgré la période difficile que nous rencontrons, vous souhaitez de belles fêtes de fin d'année. Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'un match de foot est arrêté pour des accusations de racisme, c'était donc hier soir. Oui, exactement. C'est à ce moment-là que vraiment la soirée prend un tournant très particulier. On est à ce moment-là du match, après une altercation qui semble classique, vu du stade, jusqu'à ce qu'on entende cette phrase « Why you said negro ?» Alors, pas de concert cette année, donc la Mère Noël est une rockeuse, laisse la place aux boîtes de la Mère Noël. Quel en est le principe ? Écoutez, le principe... est original, mais il est toutefois inspiré d'une initiative qui a été menée dans le Namurois. Alors, dans Qu'est-ce qu'on ces glisse dans boîtes, ces boîtes? Expliquez-nous. Ce sont des boîtes de type boîte à chaussures, donc quelques chocolats, biscuits, bonbons, un truc chaud, de taille unique, donc ça peut être un bonnet, une écharpe. And my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Arrête-toi!